Alors, je me présente, Christophe Joly, dirigeant, fondateur de la société JCMAT, qui porte mes initiales. Sa date de création en 2003. On est dans la vente et location de matériel de bâtiment, plus précisément le matériel de gros œuvres. On a voulu vraiment intégrer l'accélérateur de croissance pour avoir une vision, une projection de ce qu'on allait faire dans 5 ans. Ça porte bien son nom, accélérateur de croissance, parce qu'on s'est rendu compte qu'on survolait beaucoup de chapitres sans chercher à les explorer. Donc l'ensemble des séminaires ont répondu à beaucoup de nos questions, quoi. C'est une remise en question à 360, quoi. On rentre dans votre façon de manager. J'ai accepté la critique, j'ai accepté cette remise en question. J'ai appris à faire du pilotage, mais de façon complètement différente. C'est laisser beaucoup plus mes collaborateurs s'exprimer. Et quelque part, si on n'est pas à l'écoute de ses collaborateurs, on ne part pas dans la performance. L'esprit promotion, c'est pas un mythe, c'est vraiment une réalité. Il y a eu tout de suite un esprit très collégial entre les dirigeants. Sur les 14 entreprises, on est resté très soudés, quoi. Voilà. On communique beaucoup plus sur les réseaux. On a créé un site carrière. On a su mettre aussi l'entreprise en avant sur notre secteur, qui est sur un secteur régional, ce qui me donne aussi la possibilité de rencontrer des futurs collaborateurs et ce qui fait qu'on se développe maintenant sur l'Occitanie. Je pense que ma société était déjà dans une mutation, mais toujours pour reprendre ce terme d'accélérateur, ça nous a vraiment permis d'accélérer. En 3 ans, je trouve qu'il y a un boom énorme en termes d'organisation, en termes de performance sur les collaborateurs. Ça a été une mutation totale. Sur le premier trimestre donc 2021, nous avons pointé une progression de plus de 60%. Voilà. Donc le chiffre d'affaires très ambitieux, avec des progressions à 2 chiffres. Et au semestre, là, on est pile poil au rendez-vous. Voilà. Donc à un dirigeant, je lui donnerais un seul conseil, c'est de bloquer son planning et d'y aller avec le sourire, l'envie du partage et l'envie d'apprendre.